Mais si, parce que tu vas à droite après, c'est par là que tu traverses. Qu'on fait les trajets pour la fin, c'est ça? Non, non, on fait pas les trajets. Non, mais tu colles à droite et ça suffit. Avec un petit shroud. Par ici. Ah, c'est beau. Sinon, il y a Kuzak qui peut soucer. Pourquoi on applaudit en vrai? Combien du level? 210. Et t'es derrière Kuza. C'est ce que j'allais dire. Je suis derrière Kuza. J'ai pas de spiritual qui fait 58% de moins. Oh, et je vous remercie beaucoup les petits potes parce que ça veut dire que moi, je ayant gros. Tombé ce boss, je vais pouvoir ouvrir ma cage mythique. Ah, bien joué à toi. Nice. Ah ouais, ouais, ça c'est cool. Je pourrais avoir encore plus. Mais the fuck, ils sortent des murs. Ouais, venez là, s'il vous plaît. Faut vraiment enchaîner. Hein. Faut qu'on prenne de l'information sur la suite. Parce que ça peut changer beaucoup de choses. Quelqu'un peut mettre une banque de kills, s'il vous plaît? Vous avez évidemment tous réparé à l'entrée. Évidemment. Tu vois les gens qui repartent direct en arrière. Ok, Géry. Tu vas y arriver? Bien sûr. Hop. Alors. T'as eu le temps? Mais oui, c'est 10 secondes, hein. C'est beaucoup 10 secondes. C'est... Merci. Hop. Le coffret là. Bon, c'est cool en vrai, c'est cool, c'est cool. De quoi? C'est cool. Le coffret là pour transformer. On finit à 3K4, mais avec plein de bêtises et beaucoup de. Je sais pas, c'était pas. Je regardais beaucoup plus les CD, les déplacements des gens, j'essayais d'annoncer des trucs et tout. Et c'est cool, ça fait trop plaisir. Ah oui, ça fait trop plaisir. Tous sont lignes, les priests. Ah oui, tous, même toi? Yep. Buggers. Il y a un nouveau pari. Avec ce nouveau trinket brillant. Bien. Ah, meilleur try. Je me lance, vas-y, je prédis. Ah non, je peux pas voter. What the fuck? What the fuck? C'est trop bien les paris. Pour faire les. Merci. Faire les quoi? Bah les mobs. Ah, mais un torse en plus, Isaac! 208 à élever, non? Fini. Fonce, fonce, Ono. Les gars, je crois que ça poule. M'entends? Venez jouer, venez jouer. Venez jouer, y'a Ono qui a poule toute la map. MD, MD. Sérieux? Je sais pas pourquoi, moi je vois pas d'ici donc on est pas 4 sur 12. Je suis assez chaud en vrai. J'avais pas prévu de jouer, partir jouer, en soirée jouer, là. Attention. Là, c'est plus une soirée là. Hein. Ça tombe là. Y'a un MD ou pas encore? Pas pour moi. Je sais même pas si je peux MD en ange. Non. Combien de poules du coup en... sur le boss? Au moins 1000. 1007. Oh, oh merde. Wow. Pardon? Oh. Oh là là, mais c'est bis en plus. Wow. Ça c'est la récompense du kill d'avant. Holy shit, ça me donne presque envie de le vendre. Capot, mais... bien sûr. Capot, c'est énorme. Ça. Ah, c'est pas comme ça encore. J'ai pas trop leak. Ça va arriver, mais j'ai pas trop leak du coup. Tranquille. En vrai, plusieurs millions pour se faire un kick, c'est pas mal. Non, mais en vrai, ça rembourse à peu près les potions que t'as filé la pile, non? Oh, à peine. Putain, hein. Je loot et je me fais soulever, quoi. C'est pas trop les ça. T'es de retour en mythique plus, full tournade. Alors par contre pour nous ce sont des tournades. Ah laisse-moi tranquille toi. Ce sont pas des tornades, ce sont des tournades. C'est vrai que les paris du coup, j'ai pu cliquer sur la fenêtre mais du coup elle a disparu, je sais pas trop où ça en est. Tranquillement, tranquillement. C'est équipé ça j'espère nerd. Bah attends, il faudrait un enchant du coup. Putain. Double cadeau hein. Ah c'est de la folie hein. Bon bien joué hein. Il faut... Ah il était mort. Je disais aussi. Il faut enchaîner là, on a vraiment besoin de prendre des infos pour savoir demain ce qu'on fait, comment on le fait et tout. Ouais. Ça va changer beaucoup de choses à ce qu'on va faire demain. Bon.
On va partir sur Keltas pour plusieurs raisons de compo. On pense que ça passe le mieux. Bon voilà, bien joué en tout cas, c'était cool. Ouais, c'était agréable ces poulains ce soir. Oh là là. C'était vraiment giga agréable, sachez-le. Faites des raids si c'est possible. C'est clair qu'il y a vraiment eu que des poules hyper propres. C'était vraiment cool quoi. Mana a gagné combien du coup? Il a gagné combien Mana? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 41, 4, 0. Les trois derniers poules. Ouais, c'était bien, c'était vraiment bien. Nice. On a pas des raids là, Dialog? Bac, tu fais quoi? Allez là, hein. Je sais que ça fait plaisir, mais c'est que le troisième. Hein. Il y en a 400k. Et qu'on 18 hunt pour faire le 18 là. Ouais, je sais pas si vous avez vu, mesdames et messieurs, comment raid Echo actuellement. Allez, jeter un coup de rien. Stun Légion là, c'est que des hunts? Non, Slash Fist. Slash Fist, ah, ouais. Sur Slash Fist, que des hunts? Ouais. Enfin, non, ouais. Il y en a que 14 en vrai. Ils ont mis le Freeze, ah, du coup, c'est ça? Ah, il y en a que 14. Pour l'instant, ils en ont mis que 14. Ça commence. Les dingueries commencent. Et là, ils sont pas en split, les gars? Bientôt 20. Hein. 14. C'est juste avant pour se teuffer les hunts. Il y avait 20 hunts, ouais, ben. Pour mettre de 30. Hunt et Shaman. Le reste, c'était du Shaman. Hein. Quelle dinguerie. Bah, pour pouvoir train en fait. Ah oui. Il y avait même pas de tank. Ils ont masse Hersham aussi. Ah, les dingueries commencent, hein. Allez Hunt, désolé pour votre nerf la semaine prochaine. Hein. Vraiment désolé. Désolé, désolé Kenny. Peut-être que je pourrais gratter le PI comme ça. Moins 25% de dégâts. En vrai, je l'aurais pas volé. Let's go. Oh, merci pour le reste. Jure. Pied. Pied. C'est trash, c'est mes pieds. Il faut jouer les amis, ça fait mal. Ça fait ok, j'ai beaucoup de bouche. Allez. Remets un ange sur back. Est-ce qu'il y a un reste sur Ono? Non, là je crois qu'on va sur Keltas, les amis. Putain, mais il des heals. Bon, heal. Je vais probablement jouer avec cette spé. Hippo, il est mort 4 fois. Parce que je suis trop bon à l'aise. Les mobs étaient vraiment très très méchants. Looter les mobs. On part sur Ximoc du coup? Ouais, exactement. Kenny. Ah non, du coup. Bien pour l'instant, mais. Bah, j'en sais rien en fait, pitié. Sur qu'on parle. Mais pitié quoi? Écoute. Pitié, écoute. Mais j'ai où? Mais j'étais mute, je regardais le clip. Ah, mais c'était il y a 40 minutes. Hein. Bah, ouais, bah, il y a 40 minutes de mute. Alors? De toute façon, j'aurais oublié. Ok. Sauf que lui dire maintenant, il redemandera dans 5 minutes. Donc, ouais, oui, on va sur Ximoc évidemment. Merci mon pote Hippo, super gentil de répondre à une simple question. Y'a pas de soucis pour toi, tu sais. Pour toi, je vais mentir. T'es vraiment sympa. Faites des raids avant de pool, s'il vous plaît. Faites des raids avant de pool. Venez. Et on est trop lent. Let's go, s'il vous plaît. On a vraiment besoin d'infos. Demande à back, Nord. Comment? Demande à back. Ah. Back, je lui en ai déjà sucré un ce matin, je crois. Mais bon. Bah, ce sera pas le premier. Go focus le crâne là, s'il vous plaît. Ah, je peux pas mettre de marqueur. Go focus les barques là, s'il vous plaît. Celle du milieu. Faire des kicks sur tout là. C'est elle qu'il faut focus. Il y a deux, ça va exploser là, fais gaffe. Ouh, elles font si mal. Au secours. Du coup, on va aller sur le boss acide, je crois. Avec les CM et tout ça là. Attends, mais moi aussi j'ai ça là, j'aime trop moi ça là. Non, apparence. 7. Attends. Oh, mais j'en ai plus. Ça m'a fait cancel. J'ai plus les noms.
Tapez, tapez. Ouais, essayez de pas enchaîner. Des arrêts, Mais c'est nous raise à chaque fois, ouais. Ah bah y'a Adrien là. Ouais, je vais demander. Désolé, bon. Ouais. Regardez Isaac avec ses gros pieds là. Regardez comment c'est beau. Beaucoup d'envolé là. Bah ça fait du bien. Grave content. Alors. Tu peux faire raise moi. Ok. Oh. Sans split. Ouh, avec une chasse. Bien joué toi. Pas mal en plus, t'as une chasse. Kelly. Moi je n'y dis jamais. En vrai, je pense que c'est pour Isaac là. Je pense que c'est pour l'âge. Ah, mais ça je reconnais, ça c'est mes 3 millions gold, ça. Je peux trade, dommage, bonne chance à tous. C'est à droite et c'est C'est du LQE. C'est l'autre, ouais. Je peux pas trade les gars. C'est à droite et c'est en haut. Oh, mais ça c'est impossible de trade. C'est tellement 10M ça. Let's go. L'item est glitché, non? Full glitch. Ouais, je peux pas trade là. Okay. Mec, utilise la technique pour le dupliquer et donne-moi un autre. C'est lié quand équipé, quand ramassé. Ah merde. Lié quand ramassé, quand équipé. je le lis en fait sur l'item. Il s'est équipé tout seul, non? Quand tu lui as dit, c'est l'autre. Putain, les gars, il s'est équipé tout seul. Putain, merde, j'ai jamais, je peux faire exprès en plus. What the fuck? En vrai, j'aime le 1A, mais là. Et ouais, c'est en haut. Ce sera en haut qu'on va. On va sur Keltas pour ceux qui se poseraient la question, notamment Kenny. On va sur Ximok du coup, pas? Non, ouais. Sur Keltas. Keltas du coup. Ça ressemble un peu. C'est vrai que le pire, c'est que quand tu la loot, Kenny. Puis ces brassards d'arbalétrier, je croyais que t'avais looté une arme. J'étais trop content pour toi, et moi bon, j'étais vite déçu après, mais... Bonjour. Le champ android. Le pop pop. Tu vois qu'est-ce qui se passe? Le champ android. Mais en vrai je pense que je vais l'équipe, hein. Non, il équipe, il équipe. Non, mais tu me trade et après je dis ok Kenny c'est pour toi, et je te prends. Confiance. Quelle erreur. Bien joué pour tes 10 millions en tout cas, Zerator. On a rien pu faire. Faites des RD s'il vous plaît encore une fois, s'ils sont up et déplacé. Merci mec. Bien joué Kenny, tu peux l'écouter. Je crois que c'est un up pour toi. Mais c'est ce que je dis, on va pas sur l'artificiel, on va sur Keltas. Que je me jette là les petits potes du chat là. Les cadavres. On va la salle en feu où il faut soigner le perso. Je sais ce qu'on fait. Désolé Kenny, je suis très procédure. Je vois pas comme j'arrive. On y est. Faut que je sim. Je pense que je vais sim la meilleure gemme, mais je pense que c'est crit. Ah. Je pense que c'est un up en vrai. Double chat. Je pense plus 0,6%, un truc comme ça. Mais... Ah, on y est. On y est. Ce matin, Limit disait qu'ils avaient des split farm LQ. Je sais pas si je le traîne en multi en vrai. C'est insane. Vous pouvez reflasquer et remider. Ouais. Petit commentaire sur ce boss là maintenant qu'on est devant. On le tuera jamais. Merci. Nous les gars. Nous les gars. C'est une soundboard ou c'est lui qui le disait? Je crois qu'il est pas en soundboard, pas encore. Ah pardon. Ça va venir. Sachez que ce boss, en réalité, c'est un boss qui est plus mono qu'il n'y paraît. Ok, alors je sais pas dans quelle mesure vous devez jouer au mono et tout. Je vous invite à beaucoup regarder de vidéos concernant. Je veux bien, robot repasse, ça dérange pas. Concernant les. On va reset déjà. Concernant ce qui va se passer en termes de soit ce boss, soit Ximok, ça va dépendre de pas mal de choses. Ça va surtout dépendre de ce qui va se passer là tout de suite pendant l'heure qui nous reste. Il ne reste pas tout à fait une heure, hein, j'en suis conscient. Donc ça va dépendre un petit peu de ça. L'objectif là c'est de voir si ça peut passer avec notre compo actuel. On a quelques soucis, en fait il faut savoir que là les deux boss qui suivent sont pas forcément très durs, probablement à peu près du même acabit qu'Hungering.
mais que ça nécessite un petit peu des spécificités qu'on n'a pas nécessairement, donc on verra. On va voir aussi à quel point ça peut être intéressant de refaire une rotation mythique plus, etc. Ouais. Donc, Kelta, c'est exactement le même qu'en HM, vraiment pour le coup, exactement, à ceci près que le boss, quand il est enchaîné comme il est là, il va parfois prendre un bouclier de soins, ok, s'il n'est pas topé, tout le monde meurt, voilà, point kill, et bah pareil quand tu auras la shade, c'est-à-dire qu'en P2, il va prendre un bouclier qu'il faudra DPS cette fois-ci, ok, c'est assez difficile, mais bah voilà, hein, le stuff qu'on a fait et tout est là pour ça. La petite spécificité de Kelta's Mythic, excuse-moi, il y a Aurore qui redémarre, elle a un problème. Mais je vais. Elle redonne. Elle a de toute façon, ça ira, elle multidote et c'est bon. Du coup, la spécificité, surtout concernant les heals, en gros, pourquoi je dis que c'est un fight qui est plutôt mono-cible ? Parce qu'en théorie, les healers vont devoir passer Kelta's en un pop dad. C'est-à-dire qu'au début, ils doivent le monter. Ils doivent le faire monter alors qu'il n'y a qu'un seul Vanquisher qui arrive, donc c'est à peu près 30-40 secondes grand max, ok. Et après c'est que la shade du coup restante, donc c'est assez mono-cible en réalité, donc on doit descendre la shade, et ensuite quand Kelta's revient, bah, c'est un pop dad, into le boss repasse, ok. Donc il y a deux pop dad en tout et pour tout dans le fight, là vous voyez le premier, et ensuite il y a celui qui arrive juste après. C'est exactement le même boss, hein, sauf que quand il y a le shield qui arrive, il faut se préparer un petit peu les ressources. Ça va être un petit peu du même acabit que le Council, c'est-à-dire qu'il faut être prêt quand ça arrive, d'accord ? Si vous êtes là à faire des fillers, à être out, n'avoir pas de PR pour moi, pas de PR pour les DK, etc., bah c'est que c'est mal joué, ok ? Parce que bah, ce sera one shot. Donc là, l'objectif, c'est que Kusa il prenne ses marques avec ses healers, ok, c'est évidemment 5 kills. Et qu'on voit un petit peu ce qu'on peut faire. Est-ce que ça marche avec cette compo actuelle? Est-ce que ça marche pas? Etc. Etc. Voilà, c'est tout. J'ai pas grand chose à dire. Le start, on va quand même appuyer sur des hôtels. On va très peu le faire, hein, globalement, appuyer sur des hôtels. Personne ne le fait. On le fera pour le plaisir quand tu auras des trous, mais ça n'arrivera qu'au début. Donc au début, on va faire une rota, la rota habituelle, quoi. Les trois mages, la pille, puis les trois locks et Kenny. Voilà. Rien d'autre à dire. Au pool, évidemment, aucun CD. Du coup, et moi en vrai, même pas. Tu peux, enfin, si tu veux, prendre ma place. Mais tu veux prendre ma place sur Carable, si tu veux. Mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que... Oui, bah, prends ma place, d'ailleurs, parce que moi, je serais obligé de top 4 tasses. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que... Donc, il faut absolument mettre des kicks, notamment sur la crosse et la lune. Les autres seront masse grip. Il faut absolument tuer les occultistes très, très vite pour qu'ils soient... avant qu'ils soient à zéro d'énergie pour que les heals puissent stop les conteneurs qui vont drop, il faut très vite qu'ils arrivent au corps à corps. Et il faut, alors j'ai pas, il y a quelques logs de Kelta's qui traînent. Moi je sais que par exemple, il faut pas que je cède au pool, d'accord ? Parce qu'évidemment on a envie de les mettre sur Kelta's pour que la phase passe vite une fois que la shade est là, ok ? Donc on va y aller un petit peu blanquette. Quoique en vrai on peut lâcher les CD au début, vous pouvez peut-être les 2 minutes, les 1 minute. Moi je vais garder, de toute façon je pense que vous n'avez pas besoin de moi. Et voilà, ça va surtout être au heal de faire. Ok, normalement c'est bon, ça marche pas plus. Voilà. Est-ce qu'on passe en Ring of Frost du coup ? Oui, alors oui. Ce qui va se passer un peu plus tard, on en parlera plus tard. Mais en fait, en P2, le problème va être les infuseurs. Donc les infuseurs, vous savez, c'est les mobs qui rush Kelta's. Et l'idée, c'est qu'on va tous aller sur le side vert. D'accord ? On va tous les tuer avec coup de slow, etc. etc. pendant qu'en fait, sur le side pardon, violet, il y aura des contrôles qui seront faits le temps qu'on arrive. D'accord ? Ring of Frost, Binding Shot, et ensuite on arrive. D'accord ? Des CD qui durent longtemps, quoi. Des contrôles qui durent longtemps. Le Rof c'est 8, le Binding c'est 8. Et voilà. Est-ce que c'est un fight à eux? Je sais pas trop, je dirais oui quand même. À la question, est-ce que les Rogues jouent Shuriken, enfin jouent Secret Technique et tout? Probablement, je peux pas trop le garantir, ça dépend combien vous perdez. Il y a des logs, donc profitez-en. De toute façon, là, on est vraiment en pure découverte. En plus, découverte. À noter que actuellement, vraiment, c'est 50-50, hein, les guides qui tombent Gizmok, les guides qui tombent Kelta's.
souvent, bon voilà, la compo nécessaire à peu près. Chat, vous voulez m'aider? Warcraft Log, trouvez-moi ce fight en mythique et trouvez-moi les rock sub dessus. Je suis là. Voilà. Et bien, je fais un appel, on est parti. Donc, un peu spread, vous connaissez tous les mobs, juste des kicks. Je peux pas, je ferai le kick cross pendant le kick lune. Et je vois à gauche. Je pourrais avoir des bons 2 secondes. Il faut des oeils, des bonus armor sur plein de gens. Enfin, sur bonus armor, bah, il y en a pas. Plein d'oeils. Voilà, et de la bouffe aussi sur plein de monde. Tout à fait. Juste une petite précision, parce que genre. Les assassins. En HM, c'est toujours un peu le bordel, parce que je pense qu'il y a des gens, ils ont pas compris. Quand ils ont un certain nombre d'HP, ils incantent un spell. S'ils finissent ce spell, ils reviennent full vie. Ouais, il faut le fear, ça. Il suffit juste de le contrôle. En gros, ça, il suffit de mettre juste un fear et c'est terminé. Ok, autant pour moi. Okay. Donc voilà. C'est Outlaw ? Ouais, je sais. C'était sûr. C'est que des Chinois, ils sont tous Outlaw. Voilà. Voilà, voilà. C'est bon pour tout le monde ? Tout le monde a mangé ? Tout le monde a mis ses trucs, ses machins, là ? Et c'est bon. Donc ouais, un KG, tu t'en occupes et il va star. Tu veux que je belle à 45% au début ? Histoire qu'on se mette la face... Ah, de toute façon, on belle au 45%, non ? Ouais. Quoi ? Non, normalement c'est BL les 10 derniers pourcents, mais on pourra on BL quand Kel'Tha sera là en vrai. Mais pas avant, parce que les heals ont besoin de faire 100. Yep. Allez, on est parti. Donc, pas D1 max au début, et ouais, bah crise Isaac. Hein. Bah au pool. Ok, au pool pool. Ouais. Ah, attention. Ouais, let's go. Allez, on pool AOE. Il faut me reprendre le mob hein, s'il vous plaît, il faut faire des clips. Faut être spread évidemment, hein, toujours. On va y CD là. Back pour. Et double DH, HTT. Allez, on bombarde l'île. On bombarde. Il y a eu 2 GS qui sont partis, les gars. Faites attention, vous avez mis une retard. Et surtout allez, là, vous voyez, le Clipsy c'est pas mort. Du coup, il n'y aura pas de zone au sol, enfin, il n'y aura pas de truc au sol. Et du coup, bah, c'est la merde. D'accord. N'oubliez pas votre Renault, je vois que 2 Renault sur le boss. Faut clic, faut clic. Faut faire les clics, s'il vous plaît. Donc là, il va y avoir un pop de Clock of Flame. Alors, ce pop. Bon, bien sûr, c'est le premier sub qui fait ça. Allez, la puis heal. Je suis fait que ça. Les SP, c'est pareil, hein, j'ai oublié de le dire. SP, tous ceux qui peuvent heal là. Ono, pareil. Heal. J'étais en train. Hein. Ouais, bon. Vous avez les essences fontes au sol hein, qu'il faut topper de fou. Hein. Il manque une rénov. En gros, les essences fontes au sol là, ça top de fou. Les infuseurs. Ouais, c'est wipe de fou. Faut qu'il soit à 45 wipe. Avant ça. C'est ouais, c'est ça, exactement. Vous pouvez wipe. Que 60 viewers. Ah, 45 là Ah, normal. Alors, je pense que. Personne même, je suis lambda maintenant. Bonne chance à tous. Vous Hey, non mais on a pris les infos, c'est bon. Pâle ou pas non mais en vrai je peux faire beaucoup mieux évidemment. En vrai 17 pales. Ça va les gars. Quel a 2 KHPS à 17 impôts, c'est bon. Peut-être arrêter de live moi. J'oublie d'impôts. Personne Alex. N'avait de bonbons, on est d'accord. Il manquait 2 trucs au sol là. Et il faut les heal. Il y a une pierre de raise ou pas? Savoir si je fais le chemin rapide. Il y a une scène pierre Cusa ou pas? Normalement domaine. Ah, je teste, vas-y, okay, je teste. Je tente, attends. Ouais, mais de toute façon, c'est pas. Oh le fou. Pff, mec. Ouais, Malta. C'est free. Du coup, il manquait à peu près 15%, je dirais. Les occultistes meurent pas assez, c'est votre prio target au DPS, ok. Si on n'a pas 4 leur casser la gueule. Yes, en fait, il faut que les 4 meurent très très close et très vite pour que leur truc soit au sol et que les heals puissent les heal. Voilà. Okay. C'est quoi? T'as dit que c'était quoi les rotas grab et kick sur les occultistes pour les amener au cake? Je kick la cross. Eux ils prennent les deux premiers, les deux devant et il faut prendre une lune. Ah, okay. Je suis trompé. Genre. Sachant que ça suffit pas et sachant qu'il faut reprendre l'aggro aussi parce que du coup je l'avais sur moi. Donc faut faire assez attention. Voilà.
Voyons voir. Voilà, voilà. Calme, mec, au calme. Plus de rota sur l'hôtel. Si on fait vrai, si on commande vraiment au pool. Il y en a 4 qu'il faut faire. Genre, mage, triple mage toi, into, triple lock, hunter. Mais il faut le faire assez vite, effectivement. Question. En fait, il faut savoir que lui. Pardon, excuse-moi, Kenny. Vas-y, vas-y, vas-y. Savoir que la tête de mort. En fait, là, actuellement, les seules personnes qui l'ont tué et qui ont mis leur lock, c'est des chinois et les 3 joutes. D'accord, elle sera en vie de toute façon quand Keltas sera là, donc aucun problème. Moi, ma question, c'est, je crois que lorsque on va cliquer, les heals sont tunnel vision sur Keltas pour le remonter. Non, t'inquiète. Ouais, non, mais du coup, je me demande si, genre, par exemple, j'ai mid life et j'attends pas que ça remonte, je prends, genre, je prends HS, je prends tout. Alors, pour tu remonter peux pas avant ça de cancel, cliquer. Mais tu le cancel, oui. Si tu vois que tu non, mais avant de cliquer, tu es en mode, je suis pas full vie, je clique, je prends mes trucs et puis ah, mais voilà. Tu seras full vie, tu seras full vie. On va repérer les poussières qui me restent, je me fais le lèche. Je ramène un pote. Et je regarde, il faut que je prenne. Full truc qui partent, t'inquiète. Vraiment. T'as prévenu pour plus un? Vraiment, t'inquiète. Bien fait le test. Parce que. On va devoir le tuer, je pense. Donc vraiment, j'ai oublié de vraiment la priorité c'est les occultistes du côté, ok. C'est les occultistes du côté, les assassins éventuellement, mais le gros laissez-le tranquille, ok. C'est pas votre priorité, ok. Vraiment, l'objectif c'est de tuer les adds sur le côté hein, en faisant des kicks, etc. Bah j'aurais dissous. Let's go. J'espère que vous avez mangé, évidemment. Je fais un 15 parce que j'ai pas mangé. Et oui, les priests, n'oubliez pas de heal, les essences sont au sol. Hein. Et n'oubliez pas votre rota que je vous ai donné, j'ai fait une note, je vais la remettre après. Allez, les occultistes là. C'est à 10 secondes, Hippo, ton pas instant. Allez, les occultistes. Tu peux envoyer ton HPT. J'ai un petit geste là. L'autre occultiste, s'il vous plaît. Et là, on va cliquer. Là, vous faites la rota kick. Allez, go. C'est bon, Luxa ? C'est à moi ? Bombarder. Ouais, c'est à toi, Franck. Il rénove les priests, hein. C'est important. Ok. La rota 2. La rota 2 de click. Il y a une essence 30. Faut la remonter. C'est très important. Vous avez encore quelques secondes là. Ça va passer, hein. C'est sûr. C'est sûr que ça va passer. Pas normal qu'il meure hein, le gros. Allez, vous avez 8 secondes pour le passer, 8 secondes. Il y a des gens qui ne cliquent pas sur l'hôtel. Et wipe dans 2. 1. Allez. Et oui. Oh la vache. Let's go, venez sur moi, je vais mettre un symbole là où on a la vie. Il y a les infuseurs. Là. Et bah c'est wipe. Mais on veut quand même la face pour. Ouais, je pense qu'on peut pour jouer. Le shield. Ouais, ouais. Donc en gros, vous venez sur moi, il va y avoir un soak. Ok, tout le monde soak et il faut contrôle. Ouais, bah comme d'avant. Ouais. Faut contrôle les AD aux F des infuseurs. Ok, ça fait cliquer la VL d'ailleurs. On va bouger maintenant. Let's go. Et après, Fiery Frag. Il faut toujours que le boss soit en avance sur nous. Ok, genre sur. Voilà. Là, on bouge. Vous voyez. Toujours en avance sur nous, justement à cause de ça. Là, on main target à Shade. Oui, évidemment. Il y aura un saut, ok. Là, il faut taper. Taper. Ah oui, donc c'est le moineau. En gros, c'est comme Keltas. C'est comme Keltas à baisser. C'est, il se met un bouclier. Si on le casse pas, on est mort. Voilà. C'est un timer ou c'est quand il a un certain pourcentage? C'est un timer. Du coup, faut kick à la fin du shield. Quelqu'un je crois pas. Non, il n'y a pas besoin, il arrête de casse juste, ok. Ouais. Bon, les heals. Pas encore. Ça va passer. Non, ça va passer, mec. Après, il n'y a plus rien à dire. Enfin, non, il n'y a pas. Il y a Rogue. Oh, vous allez loot, les mecs. Oh non. En fait. En vrai, tous les gens qui peuvent heal, il est jusqu'à plus hors de mana au début, même si vous pouvez pas. Non, mais même si vous avez pas à DPS, quoi. Ah oui, non, chaque qui est en combat. Je pense que c'est déjà le cas. Hein. Je sais pas, je dis. Et du coup, le but sur le gros, c'est quoi? C'est de le garder low life, c'est de... Non, mais en gros, c'est de faire la rota par exemple des pylônes. Parce que du coup, je garderai mes CD. Ils sont en train de taper le gros alors qu'ils pourraient cliquer sur un pylône. Et non. Ouais. Voilà. Ça le truc.
Merci beaucoup Fuka. Et bon, c'était bien. Y bonsoir à vous. Sol, merci beaucoup. Lille, c'est très gentil. Parole. Trop mignon. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Si on clique merci. La petite. Merci pour le raid, c'est gentil. Là-bas, et que quelqu'un vient cliquer en même temps, on est cancel. Ouais, je crois. Ouais. Parce que, ok, c'est ce qui m'est arrivé. Du coup, cliquez pas si vous voyez quelqu'un. Ouais, je pense qu'il faut que je joue. J'en sais rien. Ah, mais oui, tu peux. Hein. Tu mais je pense que non, en vrai. Enfin. Si, tu remets. Bah, imagine, tu remets 100%. Je vais faire ça. Le CD est trop précieux. Si on n'y avait jamais pensé avant toi, mec. Bah, mec, ça avait tellement rien du tout. J'espère que ton rêve s'est bien passé en tout cas. Nous, on a tué un autre boss en mythique là. Ouais, donc là, on essaie de prendre des infos pour le prochain. Avant d'arrêter le live à minuit. Il y a pas un prêtre. Non, faut pas tuer le gros là. Et compagnie, s'il vous plaît, je sais qu'il reste pas longtemps, mais bon, Osef. Osef. On a quoi, non? Il manque plein d'enchants. Y a pas un prêtre qui peut utiliser son swap life comme PVP. Le rêve. Allez, c'est allez. Évidemment la pote Intel Lille. Hein. Pas la ref. Putain, j'ai de choc. Il n'est pas tout. C'est les CD là qui partent. Il faut tuer les occultistes s'il vous plaît. Notamment celui qui est loin. Ok, vous allez pouvoir commencer à clic. Les occultistes, il y en a un qui a été. Qui est loin. Ok. Cliquez là, faites-la au tard, s'il vous plaît. Il y a les essences fantaillées. Ouais, et cliquez là. Pas. Ah, il reste un assassin qui a pas été. Mais t'es pas censé mass grip le start, Ben, là-dessus. Les gestes sont il peut, hein, il y a les gestes, c'est super important. Non, mais faut que tu mass grip, hein, parce que là on perd un DPS. Pensez à non. Après, il se TP, hein, les ads. Oui, je sais, mais même pour les ads. Il faut un bref. Faut cliquer les retards. Il y a des gens qui ne cliquent pas. Cloque imminente. On manque 10. Ouais, voilà. On est archi en retard. On a fait la sauce. Non, mais là, on a pris beaucoup trop de dégâts. On pense vraiment rien oublier dans la retard. Non, mais j'étais en train de pulser. J'étais en train de prendre la note. Non, mais c'est surtout que. Même les mobs sont pas morts encore. Non, mais, mais c'est normal qu'il meurt, quoi. En fait, c'est normal. Genre, vraiment, vous vous rendez pas compte. C'est juste, vous tuez les occultistes, c'est terminé, en fait. Il faut donner les trucs au sol. D'ailleurs, je me demande si. Je comprends pas trop ce qui est. En fait, il faut qu'ils partent dans les occultistes. Dans les trucs d'infuseurs, ce qui n'est probablement pas le cas. Par contre, les assassins, faut les kill rapidement aussi, parce que là, moi, j'étais en train de cliquer sur la lanterne, là, et ça m'a cut le casque. Ah, c'est vraiment mass grip. Non, mais avec un mass grip, le pool d'avant ça a implosé et c'était trois fois plus. Là, les points de vie c'était yo-yo land dans tous les sens. C'était le choix de heal un boss ou nous heal nous. Quoi. Donc, j'ai bien vu que Kusa il m'a pas heal, il s'en foutait. Ah, les alert bugs, qu'est-ce que tu fais? Pour qui que le mec à gauche, tu claques un bim ou? Bah ouais. Tu veux pas bim au milieu? Bah ouais, bah j'aimerais bien. Tu peux me redire ma rota. Y'a pas vraiment de rota en gros, c'est triple mage. Bah du coup, on va pas mettre un tank, c'est triple mage et. Et bah toi, du coup. Triple mage Aurore, triple lock Kenny. Et voilà. Moi je le fais pas. Non, fais pas un tank. Mais ça heal pas, ça aide pas de ouf normalement. Genre on va... Bah ça aide, mais on va le faire en fait. On a rien à faire en fait, Vac. On a rien à faire. Occupe-toi de faire des kicks, des grips, des stuns, ça ira. Quand les autres sont morts, tu peux. Ouais, et quand les autres sont morts, vas-y si tu veux, mais Je comprends pas. Ok. Faut que je me lève là? C'est ce bon mot en fait? Non, reste assis, c'est bien. What the fuck? C'est bien, là, c'est bien. Allez hop, bon toutou, reste assis. Du coup, un kick sur le front à gauche, s'il vous plaît, à poule. Merci. Oui, il faut un kick sur. 2, 1. Et... Vas-y go, mass grip ce côté là. Inert. Parfait ça. Il y a un peu spread. Allez, faut tout taper là. Il va y avoir des TP là. Un stun. Nice. Ouais, nice. Là, ça a rien à voir. L'assassin faudra mettre juste un contrôle. Hein okay. Ça sera mort, toi hein. Dans 2 secondes il faut là. Yep. Là venez déjà. Des ouais, cliquez là, hein, vous pouvez, il y a le rota 1. Vérifiez qu'il n'y ait pas des essences fontes au sol, mais normalement il n'y en a pas. Ok. Allez, on appuie l'île. Donc là, seulement faut pas qu'il meure. Attends, on clique.
T'as volé ton pédis, je l'ai vu partir en courant. Avec le pédis sous le bras. J'ai sûr que j'ai ça. Ok, on a quelques secondes là pour le faire. Ok, lui c'est normal. Troisième rota là, s'il y a des gens qui ont pas encore. Ouais, c'est bientôt terminé, hein. Les heals, hein. C'est maintenant ou jamais. On appuie, on appuie. Late. Non, non. Ah bon ? Bah moi j'ai l'annonce. Ouais, les infusions qui peuvent. Moi j'ai l'annonce. C'est bon. Après on peut jouer avec les infusions. Ouais, venez, venez. Belle. Ok, back, tu reprends, go. Donc là, le boss est sur bleu, pendant que nous on est là. Il va y avoir un soak. Venez, hein. Vous êtes pas vraiment sur moi. Hein. Donc là, il y aura les phoenix et tout. Ah bum. Ok, là. Pas besoin, soak. Ok, on bouge. Tu dis, je suis donne okay. Sur moi, Cusa. Il y aura un compte, on va bientôt bouger. On bouge, on bouge. Donne sur moi. Non, toujours un peu en avance. Genre là. Terrible. Voilà. Mettez tout là. Full marap. Oh, c'est close. Close. J'ai pas le close. Regardez les boss sur ça. Je sais pas non plus, je comprends pas trop. C'est bizarre. C'est joué à rien en vrai. Ah, j'ai mal au baisse le shield. J'en ai aucune idée. Vous le voyez où son shield? Ah, Wikora. Wikora. Vous pouvez le link? Je l'ai pas. Bah, c'est le Wikora du raid que j'ai link à la base. J'ai pas vu parce que j'étais mute et j'ai tout oublié déjà. Donc. Je veux dire, j'ai rien compris. Mais non, mais le truc du début, c'est le truc du Discord. Le général où il y a tout. Deux semaines en fait. Ah, ok. Le truc de Natria. Je crois que j'étais pas là en vrai. Il était mute sur Discord. Putain. Ah, je devais pas être là ce jour-là. Est-ce que quelqu'un a un Reaper bot? Je suis tout pété. Je regarde les logs, j'ai. Oh, il y a pas de TP. Je regarde les logs, deux secondes. Je sais pas. Donc en gros, au début il faut aller doucement, donc il faut quand même taper les mobs. Attends, lui il faut pas le tuer. Bah, je prends quand c'est libre. Et cliquer sur un truc. Ok. Prends-moi le boss, s'il te plaît, après. On est d'accord, Isaac, les logs marchent pas là. Bah, en fait. Non, il y en a 25 000, mais logiquement, il y a que le tas. Je te reprendrai le boss quand j'aurai fait, ok. Je te dirai. Yep, parce que ça me permet de heal aussi. Ouais, mais ok. J'ai mis dans le chan. Et en bas, c'est ça, KT? C'est ça, petite CMM, KT. Les amis, il y a un Reaper bot au bout de la pointe dorée devant nous. Évitez d'avoir un TP aussi, s'il vous plaît. On peut toujours pas TP. C'est au sud de nous. Ah, pardon, oui. Ok. Alors. Bah, Kogis, tu t'es barré là? Non, mais. J'ai. Pas fait exprès de. Ah non, mais je croyais que t'avais TP. Encore un. Non. Ouais, il est parti là. Ouais, je suis en... Il est en train d'arranger son stuff là. Il rentre là. Laissez-moi une seconde, hein. J'ai besoin de regarder. J'étais quoi record. En gros, j'essaie de comprendre. Ok, donc on fait les bons heals d'essence fonte. Isaac qui met le double à tous les chams. Par contre. Mais je suis où? Je vais faire ça. Et ça la nuit. Et c'est bizarre parce qu'on est presque bien. C'est trop chelou ce qui se passe. Attends, 2. Il y a 3 Z. 4, 5. Ah non, mais ils sont 6. MDR. Ah non, c'est un palerette, c'est un palerette. MDR. World of Glory, MDR. Oh, ce qui met. Oh. Faut pas dire ça, par contre. Alors, qu'est-ce que j'ai entendu? Oh putain, non. Je vais pas. Que... Hein? Non, on a rien. Il va lâcher. Parce qu'il y a quoi? Il y a deux phoenix, la gargouille, qu'est-ce que c'est? Du coup, là, faudrait en gros. Faudrait voir. Ouais. Bah. Ouais. En fait, vous avez à peu près ce qu'il faut, sauf que. On a quelques. 2-3 secondes de retard. Bah ils ont un Iki en plus, ouais, normalement les guides de... ont un Iki en plus, souvent, en fait un hybride en plus, qui est vraiment hard top, en l'occurrence un palerette, pour le log que je regarde. Moi je fais à peu près ce que les équipes font, sauf que je mets un fail pour ça, je sais pas trop si c'est bon call, on verra.
On clique beaucoup plus sur les pylônes. Je vais juste regarder sur quelle tasse. Et ah oui, non, sur... Ouais, quand vous cliquez sur un pilier où quelqu'un est déjà en train de canaliser, vous cancellez la personne qui est en train de canaliser. En gros, vous lui prenez sa place. Yes. Et il peut pas recliquer derrière. Ok, bon, bah les prix sont à peu près ce qu'ils peuvent faire, j'ai l'impression. Sauf qu'il nous manque 3 hybrides, quoi. Voilà. 3 hybrides, voire un cham. Ok. Très bien. Bon, on va repool, mais ouais, j'ai mes infos. Je pense qu'on peut y aller dans 10 minutes quand j'y serai. Ouais, ouais, je suis perdu, j'arrive, j'ai retrouvé la route. Désolé. Vous cherchez la piste. Excusez-moi. Non, mais je vois où c'est. Je m'étais trompé au début, my bad. Il est à Nayelotal. Je sais pas comment t'as fait, moi, pour moi c'est impossible de revenir. T'aurais pu prendre le portail pour t'aider. Oh, je libère pas parce que je vais essayer de pas pouvoir revenir. Il y a que des Chinois qui ont log. 3 Chinois qui ont log et ils jouent sur les 3 outlaws. Hey, c'est ce que je suis en train de regarder là. C'est des logs. Je suis 7ème world sur Hungering en DPS. 7ème world. Ah non, pas du tout. Je suis plus bas. Ah ouais, mec. Il est en train de se taper un marathon avec ton décalage. 7, 6, 3, 4, ouais, j'ai la 3, 4, 4. 1, 2, 3, 8ème. Heureusement que tu fais mal. 8ème rogue sub. Wow. Quoique, il y en a qui log pas donc. Moi je log, je sais même pas comment on enregistre le truc. T'as chaud, Kalen ? Il y a que des top 10, top 10. Ah, là, il y en a 7, il fait vachement chaud, 7 qui ont log. Parce qu'on a passé toute la soirée avec la porte. Et je vois que le 7ème est à 3, 4, 5. Quoi ? Tu sais que 27 degrés, c'est là. C'est incroyable la chaleur qu'il fait. Vraiment. Non, mais il fait. Ah ouais, il a la station météo, Kalen. T'as une capuche aussi. Attends. Ah ouais. La bite est en pull à capuche. Franchement, je pourrais être en caleçon, je réchauffe. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais sache que 27 degrés, c'est la température tout nu, tu fais le travail et tu grelottes pas. Voilà. En fait, là, le chat, ils sont en train de discuter, ils sont en train de voir sur le CCOF et tout ça. Prendre une deuxième doudoule. Mec, tu veux mon manteau? J'ai mon renfort d'armure. S'il te plaît, fais le prochain try. Attends. Tu veux un plaid, la bite? Attends, mais. Laisse-moi tranquille en fait. En vrai, vous avez quelqu'un un plaid pour la paye? Aurore. Pourquoi tu veux que je mette ton manteau? Je vais demander à Douce. Le manteau en plus, si tu as trop chaud. C'est quoi ce manteau de ouf en plus? Au secours. Allons-y, on va y aller. Voilà, on verra si t'as chaud là. C'est parti. Mais mec, je suis en train de mourir. Actuellement, non, ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. Tu vas y aller plus fort. CRP avec le fight, mec. Tu vas y aller plus fort. C'est vrai que c'est un manteau de healer en fait. Totalement. Vas-y, let's go là. Oui. Bon, c'est le dernier pool, c'est vrai, c'est bien qu'on le passe il une fois. Rare, en plus. J'ai vraiment chaud. 2, c'est pas une blague. 1. Faut des kicks. Non. Pas de clip. Des doors, faut des stuns. Allez, bah y'a plus qu'à top. Hein. Dès que tu peux back, reprends-le moi s'il te plaît. Pardon, Aurore. Pardon. Oui, je l'ai piqué aussi, désolé. Non, mais j'ai l'habitude. Hein. Non, mais je te laisserai la prochaine fois. Je crois qu'il fait chaud. Il manque une rénov sur le boss. Triste. Oh! On va se calmer, là. Troisième rota bientôt. Attendez avant de piquer. Piquer après ça, du coup. Par contre, la bite est restée en full cap. Après, ça va. Je comprends, hein. Non, mais c'est parce qu'il cache ses strats. C'est normal. Il y a des longs, on est bien, hein. Go. Reprends le go, jouer, allez, les mecs. Reprends le go. Il y a un GS soon. Je fais que ça, oh. Oh, ça passe, ça passe. Oh yes, venez. Ça, non, c'est pas passé. C'est pas passé. Putain, ça. Ouais, sérieux, c'est quand même. Non, allez. BM, prends le boss. Prends quel t'as stoppé. Ah non, c'est bon, je prends. Mais c'est shade. Il y aura une blast. Il y aura une blast à saut.
Pour moi, il y a un phoenix dedans là. Hop, on bouge. C'est bon. Faut que le. Ils sont pas sur le carré bleu. Mais sur le carré bleu. Il y aura blazing, on va bouger, on bouge. Je tape pas sur le shield. Il y aura le shield là. Ah, on tape dans 2. 1. On va taper. Oui. Je crois. Oh, du coup, c'est go. Après, je crois que son shield remonte à cause des infuseurs, non? Non, pas du tout. On saute. La salva. On va bouger. Il va le refaire. Ensuite, il va y avoir un flamme, on bouge. Oui, il y en aura un autre. Puis on va switch. Je reprends en back. Il faut toujours que le boss soit un peu fait avancer. Il va y avoir un saut. Décale-le un peu sur le carré, back, le boss. Ok. Oh. La salva hypo. Préparez vos ressources, on bouge. Il y aura un dodge bientôt. Allez, tapez, tapez. Mets-moi les ailes, il faut se mettre sur. Ok. C'est que je le prendrai là. Wouah, c'est bien chaud. Et bah t'es mort à travers les ailes. 250k. Mmh. Ouais, faut être sur ça. Ouais, ouais, c'est oui, oui. Non mais en fait, je t'explique qu'il y en aura que un. En fait. En fait, faut vraiment vous rendre compte à quel point ce fight, c'est une fusée en fait, le fight. Genre, il top en 30 secondes. Bien. En vrai, c'est trop bien. Ouais, il est bien le fight. Ça va être trop stylé en vrai. Ouais, il est grave bien. Bon bah, on va s'arrêter. Attends, là, je te laisse... Ouais, ils veulent voir les... Ouais, pourquoi il y en a qu'un? Ça va être la fin du fight. Ono, tu nous mettras ton trinket hat hein, sur ce boss. On fera un petit groupe de healers, je pense. On fera un petit groupe pote heal. Tranquilou, ouais, voilà, un truc comme ça. Mais tu sais que je pense qu'il faut regarder sur l'image, hein, mais ça heal. Hein. Et il faut que Bak ait le même. Faut que je joue Tlo, je pense. Je vais voir, je vais en parler ce soir avec. On va en parler. Demain, on fera des trucs et vous saurez ce qu'on fait à 11h au brief sans être en retard. S'il vous plaît, faites un effort pour les briefs du matin. S'il vous plaît, là, les en retard habituels. Et commandez à manger. Ouais. Vous, demain, on se retrouve pour ce mot. Quel plaisir. C'est insane. GG pour ce soir, GG pour le down. Hein. Franchement, vous avez été chaud. Au retour là, on a fait 3 super bons pools. Vous avez tous les clips et les screenshots sur Discord pour rigoler. Et voilà. Merci à tous, bonne soirée. Ciao, bye bye. Ciao, ciao. Ciao. Utilise des gars, peace, peace, peace. Ok, bon. Bon, bah, comme vous avez entendu, les petits potes, fin du live, fin du raid. J'avais pas. Enfin. Ce que je voulais faire en fait surtout c'était en fait d'essayer de tryhard là sur ces pools. Et je me suis dit bon peut-être il y a des copains qui veulent venir voir ou quoi donc je l'ai mis. Je sais que vous n'êtes pas très nombreux de toute façon depuis qu'on a commencé cet event et tout parce que bah voilà c'est une POV, il n'y a pas toute l'ambiance du côté, enfin voilà. Mais voilà je. En fait ça me permet aussi de jouer un jeu et de tryhard un petit peu et tout. On n'est pas du tout habitué sur Adjust TV à du World of Warcraft comme ça à H24. Mais enfin voilà, faut pas se prendre la tête. De toute façon, on en a encore pour un petit bout. Et puis au pire, bah je m'éteindrai. Hein. Non rien, je disais à Ben. Hein? Je sais pas, on va voir. Je vais en parler ce soir avec l'appui et tout, mais il va falloir que je crafte un ledge. Bah ouais, il faut que je crafte... Hein? Quoi? Parce que c'est trop fort sur du multi et ça a le même cycle en mono. C'est stupide. En fait, plus il y a deux cibles, plus ça fait d'AE, plus... Enfin, c'est fort. Mais à voir, en vrai. À voir. Donc, écoutez. Courage, bro, c'est génial ce que vous faites. Merci beaucoup pour le recevoir le deuxième mois, c'est très gentil. Le résultat des prédictions est en dessous de 50% de vie. Pourquoi je vais trancher? Comment ça, je vais trancher? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je dise... Bah ça dépend, il était, regardez, enfin là vous voyez pas mais, Kel'Thas, Sunstrider, Vanquisher, 43.2%, donc il est bien en dessous de 50%, j'ai tout perdu, what the fuck, bah il était bien en dessous là. De 250, putain Madame Agou il full win, what the fuck en fait. Bah le meilleur 13 sera en dessous de 50% vie. Non car il doit monter à 100%, oui parce que c'est l'inverse. Parce qu'il doit monter à 100%. Mais la Shade of Kael'thas est à 100%. Et le Rockbound Vanquisher... Ah, le Rockbound Vanquisher... En fait, il y a Kael'thas Sunstrider 0%, Shade of Kael'thas 100% et Rockbound Vanquisher 43.2%. Écoutez... Voilà, faites que... moi, je fais pas de pari. Hein.
Hein. Enfin. Bon, en tout cas, on voit pour demain. On se retrouvera. On aura mis au point certaines choses, j'imagine, ici. Et on aura les infos de ce qu'on fait. On sera, du coup, vendredi. Ce qui veut dire qu'il reste 4 petits jours encore à l'hôtel. Enfin, en comptant demain, ça fait 5, plutôt. Et puis, on sera tous de retour à la maison. Et on fera des raids de 20h à minuit. D'où je t'aime depuis que je te connais, j'ai que de la chance. Bah tant mieux, tant mieux. Parfait ça. Donc voilà, bah écoutez, voilà, j'aurais quand même lancé cette petite PV en live ce soir et tout. J'étais assez fatigué ce matin, ça va, j'ai bien rebondi et tout. En fait, cet après-midi, j'ai pas relive parce que c'était un peu difficile les mêmes là. Bon, on en a pu en faire 4 en. Bah du coup, quasiment en 4 heures. On n'a pas eu de loot. C'était pas dingue niveau loot là pour nous, mais c'était très difficile parce que du coup on fait des 12 et on a timé une 14. Enfin, c'est chaud et actuellement il y a des trucs horribles. Genre là, il y a des tornades qui pop au corps à corps. Enfin, genre, c'est n'importe quoi ce truc là. Je sais pas, pas l'idée qu'ils ont eu. Mais en gros, vous savez, il y a des afflictions et là, c'est une affliction où en gros, quand tu tues un mob. Le mob à côté, si tu le tues pas en même temps, il devient plus gros et il fait plus mal et tout ça. Et en fait, en plus de ça, il y a des tornades qui tournent autour des cacs. Voilà, ça nage, ça s'énerve très vite, ça insulte très vite. Pas envie de me faire ban, hein, bien entendu. Donc voilà. En tout cas, bon, on se retrouve demain. Passe une excellente soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. Et on se retrouve très bientôt de toute façon. Rendez-vous demain et puis je vous dirai sur Twitter à quelle heure. Si on commence le raid à 13h. Si on commence le raid plus tard, le raid plus tard. Voilà. Hein. Tout simplement. Merci encore. Merci pour le soutien. Merci pour ceux qui sont là. Merci encore à Fukano pour le raid. Et on se retrouve directement demain. Gros bisous. Bonne nuit tout le monde. Ciao, ciao. On va manger là. J'ai faim.